Alors, bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous être déplacés ce soir pour cette dernière assemblée publique de l'année 2021. Salutations aussi à tous ceux et celles qui nous regardent, soit par le truchement de la télé ou sur ordinateur. Alors, comme c'est notre habitude, je vous invite à vous lever pour un petit moment de recueillement. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, lequel est joint comme annexe 1 à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'approuve ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyée de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 4, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 23 novembre 2021 et séance extraordinaire du 29 novembre 2021. Considérant que les membres du Conseil dispensent la greffière de faire la lecture des procès-verbaux, puisque ces derniers leur ont été transmis à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, je propose que le Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 29 novembre 2021, tel que rédigé par la greffière. J'appuie mon collègue, M. le maire. Proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac, c'est adopté à l'unanimité. Point 5, dépôt, liste des dépenses autorisées par délégation de pouvoir. Alors, Mme la greffière. Conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, je dépose la liste des dépenses autorisées par des fonctionnaires à qui a été accordé le pouvoir de dépenser et d'accorder des contrats en vertu du règlement général SH1, et ce, pour la période du 1er au 30 novembre 2021. Également, conformément au même article, je dépose la liste des contrats conclus par le comité exécutif et comportant une dépense de plus de 25 000 au cours du dernier mois. Merci, Mme la greffière. Point 6, maintenant, dépôt du rapport d'audit de conformité, adoption du budget 2021 et adoption du PTI 2021-2023. Donc, conformément à la loi sur la commission municipale, je dépose le rapport d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-22 et 2023. La conclusion de ce rapport confirme que la Ville a satisfait aux 5 critères de conformité établis par la commission municipale du Québec en regard des exigences à respecter pour l'adoption de son budget annuel et de son PTI. Et on en était bien heureux. Point 7 également. Merci, Mme la greffière. Toujours pour vous, dépôt déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, je prends acte du dépôt par tous les membres du Conseil de leur déclaration d'intérêt pécuniaire, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui stipule que chaque année, dans les 60 jours de la proclamation de leur élection, les membres du Conseil doivent déposer une déclaration à jour. Merci, Mme la greffière. Point 8 maintenant, dépôt extrait du registre des déclarations d'avantages reçues par un membre du Conseil. Oui. Donc, en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je dépose un extrait du registre des déclarations de dons, marques d'hospitalité ou avantages reçus de 200 $ et plus par un membre du Conseil. Et au cours de la dernière année, aucune déclaration n'a été faite puisqu'aucun don ou marque d'hospitalité a été reçu par un membre du Conseil. Merci, Mme la greffière. Point 9 maintenant, embauche analyste financier pour le service des finances. Considérant la création d'un poste d'analyste financier au service des finances, considérant que le service des ressources humaines a procédé aux démarches requises afin de pouvoir pourvoir le poste, considérant la recommandation du service des ressources humaines, je propose que le Conseil autorise l'embauche de Mme Kathleen Dubé au poste d'analyste financier au service des finances, selon les conditions de travail prévues au protocole d'entente, sur les conditions de travail du personnel cadre et certains employés non syndiqués et selon les conditions de travail spécifiques jointes à la présente, et ce, à compter du 17 janvier 2022. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de Mme Jacinthe Campagnan. C'est adopté à l'unanimité. Point 10, contrat assistance technique pour l'extraction et l'analyse des données des enregistreurs de surverse sur les eaux usées.
considérant que la mise en place d'enregistreurs de subverse sur les ouvrages d'eau usée nécessite de retenir les services d'un technicien spécialisé pour l'extraction et l'analyse des données afin de les transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que l'objet de ce contrat permet d'assurer la comptabilité avec les biens et les équipements existants et peut aussi être accordé de gré à gré selon l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le contrat d'assistance technique à Environnement MacM incorporé pour la fourniture d'un technicien, soit M. Guy Dessureau, afin d'effectuer de l'extraction et de l'analyse des données des enregistreurs de subverse sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 de la manière suivante. 73,50 $ taxe en sus pour le taux horaire d'un technicien et 56 sous du kilomètre taxe en sus pour le déplacement calculé de Saint-Paulin ou de Grand-Mère selon la localisation d'un technicien la journée de la visite. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appui de M. Louis-Jean Garceau, et c'est adopté à l'unanimité. Point 11, renouvellement de contrat pour les services de location de personnel d'entretien pour l'ensemble du réseau des eaux potables et eaux usées. Considérant le contrat de service de location de personnel d'entretien des installations de production et de distribution de l'eau potable et de collecte et de traitement des eaux usées octroyé par la résolution R-471-10-12-19, considérant que ce contrat visait la première année d'exploitation de la station de traitement de l'eau potable Lac à la pêche, de la station de traitement d'eau aux ultraviolets Lac des Piles, ainsi que des 13 nouveaux postes de pompage d'eau usée du secteur Lac à la Tortue, considérant que ce contrat a été renouvelé pour l'année 2021 et qu'il est nécessaire de le reconduire à nouveau pour soutenir l'équipe de préposés affectés au réseau de pompage, considérant le droit à une option de renouvellement prévue à ce contrat, considérant la recommandation du service de l'ingénierie, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise l'exercice de l'option de renouvellement pour une année supplémentaire du contrat pour des services de location de personnel d'entretien des installations de production et de distribution de l'eau potable, ainsi que de collecte et de traitement des eaux usées intervenues avec S3I Alimentaire Inc., faisant face le nom de Renfortec de la manière suivante. Pour 2022, 126 662,59 $ plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en sus, le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, puis de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Alors, ce qu'il faut savoir que cette embauche-là permet un maximum, c'est-à-dire de 126 662, mais c'est en fonction des heures réellement faites. L'année dernière, ça a été moins. Alors, on a quand même prévu un budget suffisant pour faire l'ensemble du travail. Sinon, ça sera à ce moment... Pardon? Alors, on parle à ce moment-ci, on vous viendrez poser votre question tout à l'heure. Donc, à 626 662, c'est plutôt l'ensemble des travaux qui vont se faire en cours d'année, payés à l'heure. Point 12, renouvellement, contrat d'entretien et de soutien aux applications de la suite financière du gestionnaire municipal de la Cour municipale et applications en ligne de PG Solutions Incorporées. Considérant que la Ville a acquis de PG Solutions Incorporées des systèmes informatiques et plateformes numériques pour divers services de la Ville, considérant qu'il y a lieu de reconduire les contrats d'entretien et de soutien aux applications reliées à l'utilisation de ces systèmes, considérant que l'objet de ces contrats découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise à assurer la compatibilité avec les systèmes progiciels et logiciels existants, considérant l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le renouvellement du contrat d'entretien et de soutien de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, au montant total de 248 987 $, taxe en sus, répartie de la manière suivante. 153 193 taxe en sus pour la suite financière, 53 033 pour le gestionnaire municipal, 24 831 toujours taxe en sus pour le permis en ligne, 9 076 pour la cour municipale, 8 854 pour l'entretien et le soutien. Que le Conseil confirme son désaccord à contribuer financièrement à la modernisation des suites logicielles en l'absence de livrables et ne donnera suite à aucune demande de paiement pour ce volet.
que le Conseil mandate M. Patrick Bellery, directeur des technologies de l'information, à réévaluer les besoins et effectuer une étude sur les outils utilisés dans d'autres villes. Que le Conseil autorise M. Patrick Bellerive à soumettre l'intérêt de la ville de Shawinigan à participer à une table de travail afin de déterminer l'intérêt pour un appel d'offres regroupé afin d'évaluer le marché des systèmes financiers. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnat, appuyée de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet règlement SH1.95 sur le Conseil et ses comités. Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne l'avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séquence, ou à une séance subséquente du règlement SH1.95 modifiant le règlement SH1 et ayant notamment pour objet le Conseil et ses comités et de plus dépose le projet de règlement. Les copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci, M. Arsenault. Point 14, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil. Alors, considérant que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois, considérant que le Conseil doit également établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune, je propose que le Conseil établisse ce calendrier des séances de l'année 2021 de manière prévue ci-après. Mardi le 18 janvier, mardi le 8 février, mardi le 1er mars, mardi le 12 avril, le 10 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 23 août, le 13 septembre, le 4 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre, tous des mardis à 19 heures. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy Désiel, appuyée de Mme Josette Alarginiac. C'est adopté à l'unanimité. Point 15, délivrance du certificat d'autorisation, travaux d'égout sanitaire et d'installation d'équipements de traitement d'eau usée d'origine domestique. Considérant le projet de construction d'un bâtiment industriel par moteur Taiga incorporé dans la Technoparc de l'énergie, situé sur la rue Buril, considérant que la Ville doit confirmer qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation pour des travaux d'égout sanitaire et d'installation d'équipements de traitement d'eau usée d'origine domestique du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Par ces motifs, je propose que le Conseil confirme que la Ville de Shawinigan n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation pour des travaux d'égout sanitaire et d'installation d'équipements de traitement d'eau usée d'origine domestique dans le cadre du projet de construction du bâtiment industriel moteur Taiga à Shawinigan. J'appuie mon collègue, M. le maire. Proposé par M. Claude Grenier, puis de Mme Josette Alarginiac, c'est adopté à l'unanimité. Point 16, demande ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, prolongation du délai pour la réclamation finale, fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, FEPTE. Considérant que la Ville s'est accordée une aide financière dans le cadre du fonds de l'eau potable et le traitement des eaux usées, volet 2, pour la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées dans le secteur de la Tortue. Considérant l'entente intervenue avec le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et responsable de ce fonds, prévoyant les obligations des parties relativement au versement de l'aide, considérant que cette entente stipule que la Ville devra présenter sa réclamation finale des dépenses admissibles au plus tard 3 mois après la date de la fin des travaux ou le 30 juin 2020, selon la première des éventualités. Considérant que la Ville a déjà demandé et obtenu des rapports de la date des transmissions au ministère et de la réclamation finale visant le projet mentionné, dont le dernier rapport était pour le 31 décembre 2021. Considérant que les travaux d'assainissement des eaux usées et la distribution d'eau potable effectuée dans le secteur Lac à la Tortue ne sont pas encore complétés et que des négociations importantes sont à prévoir avec l'entrepreneur chargé de la réalisation des projets, devant permettre la reddition finale des encourus du projet. Considérant que dans ce contexte, la Ville ne peut être en mesure de présenter sa réclamation finale des dépenses admissibles accompagnée d'un rapport d'audit réalisé par un auditeur externe d'ici le 31 décembre 2021. Par ces motifs, je propose que le Conseil
de la ville de Shawinigan demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et responsable de l'application du fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, volet 2, de prolonger le délai pour la production de sa réclamation finale des dépenses admissibles accordées, accompagnée d'un rapport d'audit réalisé par un auditeur externe, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire visant à donner plein effet à la présente résolution. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Louis-Jean Garceau, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 17, droit de passage pour le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Considérant que le Grand Défi Pierre Lavoie est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir les saines habitudes de vie, considérant que l'accueil et le passage du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie se ferait sur le territoire de la Ville, considérant que l'organisation s'engage à respecter les mesures sanitaires, consignes et recommandations de la santé publique et des instances gouvernementales lors de l'événement, considérant l'intérêt de la Ville de Shawinigan d'accueillir des événements d'envergure sur son territoire, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise la tenue du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie et des activités associées sur son territoire pour la journée du 10 juin 2022, conformément au parcours à faire approuver par la Direction générale. Que la Ville de Shawinigan collabore à l'activité en fournissant les bénévoles et les équipements nécessaires pour la tenue de l'événement. Que la Ville de Shawinigan publicise l'activité et invite ses résidents à se joindre à l'événement. Que la Ville de Shawinigan autorise le vol de drones sur son territoire selon le cadre réglementaire canadien et en respect des lois et règlements en vigueur au Canada. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyée de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. C'est la troisième tentative. Alors, les deux premières tentatives ont été manquées à cause de la pandémie. Alors, l'objectif pour ce 10 juin, c'est que les gens arrivent ici, vont faire le tour du parc national et revenir au centre Gervais-Auto. Alors, une randonnée d'à peu près 115 km qui devrait être à peu près une des plus belles randonnées de l'ensemble du circuit de l'année 2022. Point 18, appui Coalition pour la préservation du parc récréo-forestier plutôt de Saint-Mathieu-du-Parc, moratoire concernant les coupes forestières sur les terres publiques de Saint-Mathieu-du-Parc. Considérant qu'il est jugé important de conserver et de protéger les milieux naturels forestiers à proximité de régions habitées afin d'en assurer l'accès à la population, considérant le territoire de terre publique de Saint-Mathieu-du-Parc est considéré comme étant un projet de forêt habitée au bénéfice de la communauté et possédant un réseau de sentiers de vélo et de marche, un important segment du sentier national, des parois d'escalade, des belvédères, des abris pour camper et un amphithéâtre ayant nécessité d'importants investissements humains et financiers, considérant que le secteur visé est un territoire à forte valeur écologique de par sa zone tampon qu'il constitue autour du parc national de la Mauricie, zone d'intérêt essentielle afin d'élargir sa zone de conservation, de recherche et de récréation. Par ces motifs, je propose que le Conseil appuie la Coalition pour la préservation du parc récréotouristique de Saint-Mathieu-du-Parc dans sa demande au gouvernement du Québec afin de surseoir aux coupes forestières projetées, de renoncer à tout projet de coupe sur le secteur visé, d'appliquer un moratoire concernant les coupes forestières sur les terres publiques de Saint-Mathieu-du-Parc, le temps de déposer un projet d'aire protégée et un plan de développement récréo-forestier pour le secteur. J'appuie ma collègue, M. le maire. Proposé par Mme Nancy Désiel, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac, c'est adopté à l'unanimité. Point 19, versement de subvention au programme Société d'habitation du Québec. Considérant que la Ville de Shawinigan participe à divers programmes de la Société d'habitation du Québec sur l'amélioration de l'habitat et l'accessibilité, considérant que la Ville de Shawinigan a créé différents programmes de revitalisation, considérant que la Ville reçoit des demandes de paiement de subventions en application dans ces programmes, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le trésorier à verser à différents bénéficiaires aux fins de programmes pour les résidences endommagées par la pyrotite, la somme totale de 46 176,75. J'appuie ma collègue, M. le maire. Proposé par Mme Lucie Devon, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Point 20, représentation.
Je propose que le conseil autorise, outre M. le maire, le conseiller suivant à représenter la ville, soit Louis-Jean Garceau, lors du spectacle féerie de Noël et du temps des fêtes qui aura lieu le 19 décembre 2021 à l'église Saint-Georges, que les dépenses des représentations soient déboursées et remboursées selon les politiques établies. J'appuie mon collègue, M. le maire. Proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de Mme Lucie Debon, adopté à l'unanimité. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Alors, je vous informe que la prochaine séance ordinaire du Conseil va se tenir mardi, le 18 janvier 2022, à 19h. Des séances extraordinaires seront également tenues le lundi 20 décembre 2021, à compter de 16h30, afin d'adopter le budget 2022, le programme triennal d'immobilisation 22-23-24 et de statuer sur divers dossiers en matière d'urbanisme. Alors, nous sommes rendus maintenant à la période de questions. Alors, nous avons encore des questions qui proviennent du public. Donc, on va commencer par les questions qui proviennent du public. Et par la suite, je demanderai à Mme la greffière de nous donner l'ensemble des règles qui régissent la période des questions. Et par la suite, on ouvrira la période des questions. Alors, Monsieur le directeur général, on débute avec la première. Oui, Monsieur le maire. La première question nous vient de Mme Manon et Daniel Walker, secteur Shawinigan-Sud. La question, quel acte ou procédure que la Ville entend quand une compagnie engagée par la Ville n'est pas sécuritaire pour les citoyens et l'environnement? Alors, on est bien au fait, Monsieur, Madame Walker, là, de la situation dont vous nous parlez. Évidemment, les entrepreneurs doivent obligatoirement respecter les devis de contrat. Puis quand on s'aperçoit qu'un entrepreneur a un manquement, on intervient directement auprès d'eux. C'est vrai dans votre cas et c'est vrai aussi dans tous les autres cas. Voilà. Deuxième question. Oui, cette fois-ci, Monsieur le maire, la question nous vient de Audrey Lorion-Lambert, secteur Shawinigan. Je viens d'aménager à Shawinigan, près de l'intersection des avenues Saint-Marc, de la station Hemlock, des Cèdres et de la Transmission, en m'imaginant finalement pouvoir me déplacer de manière active. Quelle fut ma surprise de constater qu'il y a des lignes peintes pour les piétons à cette intersection, mais aucun feu de circulation protégé pour traverser? Il est réellement impossible de savoir quand traverser pour un piéton ou un cycliste en raison des 5 rues qui se rencontrent. Cela m'inquiète en tant qu'adulte, mais également en prévision des enfants que j'aurai et qui devront traverser l'intersection pour prendre l'autobus. Question. Quels sont les plans pour réaménager adéquatement l'intersection des rues Saint-Marc, de la station Hemlock des Cèdres et de la transmission pour les piétons et les cyclistes qui passent? Alors, Mme Lorion-Lambert, je ne vous cache pas que c'est une intersection qui est passablement complexe et compliquée. 5 voies de circulation qui rencontrent un viaduc ferroviaire. Alors, j'ai demandé à Mme Campagna, qui est la responsable du comité de circulation, de nous donner les détails des discussions qu'ils ont eues à travers leur comité de travail. Bien sûr. Merci, M. le maire. En effet, cette intersection est problématique et connue. Elle a été amenée au comité de circulation qui l'a étudiée. Évidemment, il a été vu là, qu'il y avait des aménagements à faire, tant au niveau de la configuration, mais au niveau également là, des lumières, comme a été mentionné par Mme Lorion-Lambert, là, des lumières piétonnes réservées pour les piétons. Toutefois, c'est impossible à ce moment-ci. La structure de l'électricité, la structure comment qui s'est fait présentement, doit être changée au complet pour permettre l'installation d'un bouton piétonné. Alors, à ce moment-ci, ça a été envoyé au département de l'ingénierie pour que lui fasse des plans et devis, puis assurément, probablement qu'on aura besoin d'une subvention à ce moment-ci, que ça va être des travaux assez importants là, qu'il faudra refaire l'intersection au complet. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on avait imaginé au départ, mais c'est dans un plan, on va l'espérer, assez proche. Parfait. Merci beaucoup, Mme Campagna. Prochaine question, M. le directeur général. Oui, cette fois-ci, une question nous vient de M. Kevin Beaulieu du secteur Saint-Georges-de-Champlain. En lien avec le permis de garde en captivité de Serval émis par la faune au 171 rue Asselin, la question. Je souhaite savoir selon quels avis ou quels experts le conseil municipal peut en venir à la conclusion qu'un Serval peut être considéré comme un animal domestique et autorise donc les citoyens des quartiers résidentiels comme dans la zone H97-14 à Saint-Georges-de-Champlain, à posséder de tels animaux.
Alors, bien, M. Beaulieu, d'abord, Mme Lagrépierre, vous avez déjà écrit le 7 décembre dernier pour vous indiquer qu'il y a eu un renouvellement autorisé par le gouvernement du Québec en vertu des lois provinciales qu'il est possible de garder ce genre d'animal à la maison. Évidemment, on a effectué un certain nombre de démarches et de recherches pour connaître un peu nos pouvoirs, les pouvoirs municipaux d'intervention en la matière. On a des discussions et des pourparlers également avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et même si le règlement municipal ne le permet pas, évidemment, le gouvernement provincial, les lois provinciales, les lois fédérales ont préséance sur les lois municipales. Donc, dans un cas spécifique et particulier, même si la Ville n'est pas d'accord avec une application, c'est le règlement provincial qui s'applique à ce moment-là. C'est bien ça, Mme Lagrépierre? Exactement. Parfait. La prochaine question, M. le maire, vient de Mme Marie-Claude Gélina du secteur Grand-Mère. Est-ce que le fait de penser à mettre plus de sable dans les rues de Grand-Mère et Saint-Georges vont avoir un impact sur nos taxes? Parce que lors de verglas seulement, le coin de rue sont sablés. On ne peut pas sortir de chez nous sans danger de tomber et c'est pas toutes les personnes qui peuvent porter des crampons. Certaines personnes ont des restrictions au niveau des genoux. Ça empire leur douleur. Question? La question est plus haut. Parfait. Alors, Mme Gélina, vous n'êtes pas sans savoir que les conditions climatiques sont extrêmes par les temps qui courent. Alors, une journée, il pleut, une journée, il fait doux, le lendemain, ça gèle, la nuit, ça gèle, ça repart. Alors, même s'il y a de l'application de produits pour tenter de faire fondre la neige, ça regèle automatiquement. On met du sable, ça se mélange à l'eau, ça s'évacue. Alors, je peux vous assurer qu'on fait le maximum possible pour tenter autant que possible de se battre contre la nature. C'est pas une chose facile par les temps qui courent, mais je peux vous assurer que les consignes, on en entend parler régulièrement, on a des appels réguliers sur cette question. Les gens font tout ce qu'ils peuvent pour tenter autant que possible de rendre les rues et les trottoirs les plus sécuritaires possible. Si l'hiver peut arriver pour de bon, on annonce encore de la pluie jeudi. Ça gèle cette nuit, on annonce encore de la pluie jeudi, du gel vendredi. Alors, il faudra s'attendre encore une fois à des difficultés. Nos équipes font attendre d'offrir le meilleur service possible. Prochaine question. Oui, M. le maire. La prochaine question vient de M. René Bournival du secteur Shawinigan-Sud. Il souhaite discuter du dossier de la Belgo. Question. Concernant le dossier de la Belgo, où en est-on rendu et quelles sont les prévisions pour le futur? Alors, je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est encore le scénario envisagé, c'est que c'est le ministère de l'Environnement qui va mener les dossiers de décontamination et de nettoyage des ruines. C'est censé commencer au printemps. En théorie, à l'automne, les appels d'offres devaient être faits et ça devrait s'amorcer quand la neige va être fondue. C'est le dernier son de cloche que j'ai eu pour le dossier de la Belgo. La prochaine question, M. le maire, nous vient de M. Serge Lapierre, du secteur Lac à la Tortue, mise en contexte. Votre présentation en 2017 à Shawinigan, on parlait respectivement de 435 $ et de 630 $ pour les égouts et aqueducs par an. Aujourd'hui, on paye 1275 $ pour 20 ans, en plus des 325 $ pour les services d'entretien. On payait 1,39,48 du 100 $ en 2017. Question. L'évaluation en 2022 par la firme d'évaluation foncière est prévue d'augmenter de 31%. J'aimerais savoir si l'augmentation est pour seulement les résidents autour du lac à la Tortue ou pour tous les secteurs de la municipalité. Les services municipaux augmentent-ils en plus de 4,4%? Le taux passera-t-il environ à 1,50 $ du 100 $? Alors, bon, il y a beaucoup de choses, M. Lapierre, dans votre question. Bon, d'abord, l'évaluateur Servitec a annoncé justement que pour une résidence unifamiliale, l'augmentation du nouveau rôle 22, 23, 24 va être à la hauteur de 4,28%. Ça, c'est un taux moyen. Évidemment, tout dépendant de l'endroit où vous vous retrouvez,
à l'intérieur de la ville de Shawinigan, il y a des secteurs qui vont être plus hauts, des secteurs qui vont être plus bas. C'est divisé en 156 ou 160 unités de voisinage. Donc, c'est à géométrie variable. Il faut aller voir sur le site là, pour voir ce qu'il y en est. Mais évidemment, la loi nous oblige à faire un seul taux. Et ce taux, ben, on va vous le dévoiler lundi prochain lors de la présentation du budget et du programme triennal d'immobilisation. Alors, vous verrez à ce moment-là à la hauteur du taux, puis aussi la hauteur des évaluations qui sont reliées directement avec le taux qui va être annoncé. Voilà. Point 8, M. le directeur général. Oui. Huitième question nous vient de Mme Joanne Desrochers du secteur Grand-Mère, mise en contexte, usine de filtration. Question. J'aimerais savoir le processus employé pour obtenir l'expertise pertinente pour solutionner le problème de l'usine de filtration du lac à la pêche et sur quels critères ont-ils été consultés? Est-ce que M. Claude Léger, ingénieur de la firme Maco-Gep, a été considéré? Alors, Mme Desrochers, bien évidemment, on fait affaire avec des experts qui sont reconnus dans le domaine, particulièrement ceux déjà annoncés de la Polytechnique de Montréal. Ils ont l'avantage d'être totalement indépendants de la ville. Évidemment, ils viennent s'ajouter à l'expertise de nos gens ici comme tels. Alors, bon, je n'ai pas entendu parler de M. Claude Léger ni de sa firme Maco-Gep, mais au moment où on se parle, on travaille avec la Polytechnique et éventuellement d'autres experts là, vont se greffer ou se joindre à l'équipe pour tenter de trouver une solution. Oui, seulement la prochaine question nous vient de M. Vladimir Molina, du secteur Shawinigan, mise en contexte. Cela fait maintenant 2 ans que la rue du Collège est fermée. Question. Quelle est la date prévue pour réparer la rue qui fait l'objet d'un possible effondrement? Alors, M. Molina, c'est sûr que c'est un endroit qui est sensible dans une zone de contrainte importante. C'est une réparation, une stabilisation assez majeure qui est évaluée à plus de 1,3 million de dollars. Alors, on a fait des demandes de subventions pour tenter autant que possible de diminuer le coût. Est-ce qu'on est capable d'avoir le tiers, la moitié, le deux tiers de ce montant-là? On considère qu'1,3 million de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, on nous a parlé de mettre une affiche là, pour nous assurer là, que les enfants puissent pas aller jouer dans ce coin-là, mais on tente autant que possible d'avoir une subvention parce que mettre 1,3 million de dollars pour stabiliser cet endroit-là, je comprends que la route peut risquer d'être pratique, mais c'est beaucoup d'argent. Le conseil a décidé de tenter autant que possible d'avoir une subvention et si on a une subvention, on va procéder assez rapidement aux travaux. Dernière question, M. le directeur général. Dernière question, M. le maire. Celle-ci nous provient de M. Pierre-Paul Paquin, directeur Shawinigan, mise en contexte. À l'émission La Facture a soulevé le point sur les plus bas soumissionnaires conformes en disant que bien des municipalités ne comprennent pas bien la définition de conforme. Des soumissionnaires sont bien souvent sous des accusations ou sanctions et peuvent avoir des contrats avec des gouvernements. Question. Vous, M. le maire, ainsi que vos ingénieurs, c'est quoi votre définition du mot « conforme » ? Alors, c'est évidemment le service des finances qui s'assure de faire les appels d'offres et qui respecte exactement les lois et les soumissionnaires qui doivent être conformes à ces appels. J'ai vu cette émission-là aussi. Il faut nuancer un peu ce que la dame disait concernant la façon dont les municipalités traitaient comme telles les plus bas soumissionnaires conformes. Je peux vous assurer que le ministère des Affaires municipales nous a à l'œil et que d'aucune façon on ne peut se soustraire à cette fameuse règle du plus bas soumissionnaire conforme. Voilà, M. le directeur général, merci. Madame la greffière, les consignes maintenant pour les questions du public. Oui, donc voici un rappel des règles qui sont prévues à notre règlement général qui peuvent entraîner des sanctions pour les personnes qui ne les respectent pas. Donc, pour la période de questions, la personne doit s'identifier par ses noms et prénoms en mentionnant le nom de l'organisme ou du groupement qu'elle représente, si c'est le cas. Elle doit poser une question qui se rapporte à un point de l'ordre du jour et une deuxième ronde de questions permettra celles d'intérêt public et qui sont des compétences de la Ville. La question est adressée au président et doit être brève.
Elle peut être précédée d'un court préambule si cela permet de la situer dans son contexte. Le langage doit être convenable et respectueux. La question doit être formulée dans le but d'obtenir un renseignement. Sachez que le président peut refuser de répondre à une question ou retirer le droit de parole à une personne dont la question n'en est pas une, finalement, exprime une opinion, est fondée sur une hypothèse, comporte des allusions personnelles ou malveillantes, porte sur une cause pendante devant un tribunal ou sur un sujet faisant l'objet d'une enquête ou d'un litige. Et sachez que le président peut ordonner l'expulsion de toute personne qui enfreint les dispositions du règlement et toute personne qui contrevient à l'autre de ces règles est passible d'une amende de 200 $. Les séances doivent se faire dans le respect mutuel. La période de questions peut maintenant être débutée. Elle est de 30 minutes et elle sera chronométrée. Merci, Mme la greffière. Alors, sur l'ordre du jour, des questions, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, conseillères. Robert Roux de la Cale-la-Tortue. Monsieur le maire, moi, c'est une question au point 16 que M. Garceau a soulevé tantôt. Si je me souviens bien, OK, on est rendu au deuxième ou au troisième délai du projet d'assainissement des eaux et d'eau potable de la Cale-la-Tortue. Là, vous avez mentionné tantôt, est-ce qu'il est encore, qu'on parle-tu encore d'une fin de travaux, d'une fin des travaux pour déposer le rapport final, ou si c'est une ronde de négociation que vous attendez que cette ronde-là soit finie pour déposer, OK, comme on parle, OK, de dépenses admissibles, là. Je ne sais pas si vous me comprenez, OK. Très bien, oui. Vous avez tout à fait bien compris, M. Hull. Bon. Évidemment, on se donne un délai, encore une fois, d'une année pour continuer les discussions, les négociations, les différentes ententes qu'on pourra avoir avec l'entrepreneur. Vous le savez, les travaux ne sont pas terminés encore, raison pour laquelle on a un délai. À partir du moment où on demande au gouvernement de finaliser l'ensemble de ces versements, pour ça, c'est terminé à ce moment-là, puis on ne peut plus revenir. Raison pour laquelle on s'est donné une année supplémentaire pour en discuter. OK, puis en complément avec ça, est-ce que on est là en période de négociation, on sait que, bon, avec la firme d'ingénieurs et d'entrepreneurs, à l'heure actuelle, oui, pour arriver à une entente, OK, de une entente de dépenses admissibles, une entente de coût final. Monsieur le directeur général, là-dessus. Bien, M. Hull, on discute toujours avec les personnes intéressées dans le dossier pour notamment terminer les travaux, les petits travaux dérogatoires ou les restes, tous les travaux qui ne sont pas finalisés là, par les sous-traitants. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas terminé ces discussions-là, on ne veut pas faire la réclamation finale auprès du ministère, puisque après ça, c'est, comme M. le maire le disait, bien, une fois que le rapport, la réclamation finale est faite, on ne peut plus revenir après. Là. Donc, on souhaite terminer l'ensemble là, des petits travaux qui restent à faire à la tortue avant de fermer le dossier complètement. Ce qu'on demande, c'est un délai d'une année pour déposer la réclamation finale auprès du gouvernement. Et dans cette année-là, on rentre tout. On termine tout. Et là, sans doute, on peut calculer le coût des avantages de l'année. Pour l'instant, on est en train de tout évaluer ça. Parfait. Sur l'ordre du jour, d'autres questions, remarques ou commentaires? Ça vous va sur des sujets qui touche l'ensemble de la population. Oui, monsieur, vous pouvez vous lever. Oui, vous avez tout à fait raison, madame. J'ai omis de le mentionner. Alors, déplacez le masque. Vous pouvez l'enlever quand vous êtes rendu au micro, monsieur, sans problème. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur le président. Mon nom est Léandre Trépanier. J'ai acheté une maison à grand-mère au 730 de la 8e avenue, coin de la 7e rue. Mon voisin à côté, c'est une école désaffectée.
Et puis, la personne en question a eu, le propriétaire a eu la permission de démolir et de construire 2-4 logements. Sauf que mon problème, monsieur le maire, et ma question va venir aussi avec ça, c'est qu'il va y avoir 8 balcons à plus ou moins 6 pieds de mon terrain, à ma clôture. Avant, c'était une école qui fermait à 4 heures, il n'y avait plus personne, mais là, c'était désaffecté. Je ne suis pas contre qu'il y ait des logements qui se créent pour les citoyens, mais 8 balcons, je serais plus, si vous voulez m'aider, ce qui m'aiderait, c'est que ça soit des portes patio avec une clôture, pas de balcon. Je pourrais garder mon intimité à ce moment-là, parce que là, si on regarde ça comme ça, c'est que je suis dans un théâtre avec des balcons, puis les gens me regardent. Je me lève à 4h30 pour aller travailler. Ça va être difficile d'avoir des gens sur les balcons, des chiens sur des balcons. S'il y a 4 personnes qui ont un chien à ce moment-là qui aboie ou que le propriétaire le laisse sur le balcon, c'est moi qui en bénéficie, là. Fait que si vous voyez le topo, vous êtes sûrement parmi vous, il y a des gens, vous avez passé dans ce coin-là, vous connaissez cette école-là. Mon terrain est la grandeur 2 fois la salle ici en largeur et j'ai 8 balcons. Je ne suis pas à l'encontre qu'il y ait des logements qui se fassent à cet endroit-là. J'aurais préféré un espace vert avec 3 bancs. Ça se fait pas, ça a été autorisé. Mais qu'il y ait des portes patio avec juste une barrière, ça serait correct. Mais avec des balcons, monsieur le maire, là, ça va être l'enfer. Est-ce que la construction est commencée ou pas? Ça fait un petit bout de temps, je n'ai pas passé. Y a-t-il quelque chose qui a commencé? Il n'y a rien de commencé encore? Oui, les fondations sont commencées, monsieur le maire, sauf que j'ai communiqué avant de venir vous voir avec l'inspecteur, monsieur Chartier, Dominique Chartier. C'est un petit peu ambigu. Écoutez, c'était une école avant, mais là, on ne parle plus d'une école. Il dit qu'il pourrait avoir le droit, mais que les plans ne sont pas tout à fait acceptés. Fait que c'est à voir. Mais justement, c'est que je veux battre le fer tandis qu'il est chaud. Je le porte à votre attention pour avoir un suivi, monsieur le maire, parce que je ne pourrais pas vivre avec 8 balcons, avec des gens directement dans ma cour. Alors, ce que je vous invite à faire tout de suite après l'Assemblée, vous allez aller voir le directeur général qui va prendre votre nom, vos coordonnées, puis on va vous assurer d'avoir un suivi personnalisé sur cette question. Je vous remercie infiniment, monsieur le maire, messieurs, dames, les conseillers et monsieur le président. Merci. Merci. D'autres questions? Michel Roberge du Lac à la Tortue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, j'ai entendu par les médias que vous étiez quelqu'un de très transparent. J'aimerais savoir si vous saviez avant les élections le problème d'eau qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous le saviez avant les élections? Vous allez préciser votre question? Si vous saviez les problèmes d'eau potable qu'on a au Lac à la Tortue avant les élections. Alors, comment ça fonctionne là-dedans? J'ai déjà répondu à les médias, mais je vais vous le répondre directement à vous. Alors, dans un premier temps, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'administration municipale. Donc, pour s'assurer qu'on soit capable de faire fonctionner l'usine d'eau potable pendant toute la période, qui n'était pas nécessairement facile au cours de l'été, l'automne. Donc, on m'a avisé d'un certain nombre de situations problématiques qui pourraient arriver éventuellement d'ici au mois de décembre. Donc, le service technique, les ingénieurs est en mesure de surveiller cette situation. Donc, ça a été aussi le cas. Campagne électorale, le conseil municipal est dissous. Moi, je reste quand même ici, mais vous comprenez qu'on travaille sur 2 points. Quelque part, comme le 28 et 29, si vous voulez savoir ça de façon plus précise, il y a eu des demandes de fait par l'administration municipale pour voir s'il y avait une possibilité de pouvoir contourner
contourner l'usine de traitement aussi comme telle, parce que selon les ingénieurs ici, il y avait possiblement un risque d'ici à décembre, donc d'ici au... Vous n'arrivez pas eu au mois d'octobre? Attendez. D'ici à décembre, il y aurait probablement une situation qui pourrait risquer d'être compliquée. Donc, à partir de là, on continue à travailler sur l'usine et les gens ont fait cette demande-là aussi comme telle. La semaine passée ou il y a deux semaines, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de vouloir aviser les gens qu'on était pour contourner l'usine et de la procédure que vous connaissez jusqu'à maintenant. Alors que ce soit le 27, 28, 29 octobre, la direction n'a pas jugé bon de m'aviser de cette situation. Et s'il m'avait avisé de cette situation, la même décision aurait été prise. On ne prend pas une décision un mois et demi, deux mois à l'avance pour indiquer qu'on va fermer une usine. Ça prend des autorisations du ministère des Affaires municipales, ça prend toutes sortes d'autorisations, toutes sortes de choses pour faire ça, et c'est de la responsabilité de l'administration municipale de faire les choses. Sauf que les citoyens auraient su avant les élections qu'on avait ce problème-là, étant donné qu'on le savait au mois d'octobre. Deuxième chose, concernant l'eau chlorifiée, vous me dites que vous allez mettre du chlore dans l'eau, vous allez le passer dans le système-là, mais qu'est-ce qui arrive avec les matières de suspension? Ils vont passer dans mes tuyaux, je vais les avoir dans ma maison? Alors, depuis les 87 dernières années, c'est l'eau que vous buvez. Si c'est le cas, c'est l'eau que vous buvez depuis 86, 87 ans, l'objectif poursuivi. Écoutez, madame, là, une seconde. Hein? Alors que depuis 86, 87 ans, c'est l'eau qu'on boit depuis toujours. L'obligation de traiter cette eau-là vient d'une directive du ministère des Affaires municipales et de l'Environnement, chose qu'on a fait aussi comme telle. Dans cette éventualité où ça ne fonctionne pas, il faut s'assurer de donner de l'eau et de l'eau potable éventuellement aux citoyens pour le service incendie et pour les citoyens. Oui, mais ce que je peux dire, c'est que, v'là 50 ans, l'eau était peut-être potable, mais aujourd'hui, elle n'est pas potable. Ça fait que moi, je vais prendre cette eau-là. Puis, Alors, madame, ne faites pas d'affirmation comme telle. Là, on a des spécialistes, on a du monde, on a des gens qui font des tests régulièrement, trois fois par semaine, pour être en mesure de pouvoir faire les affaires. Alors, ne faites pas d'affirmations qui sont fausses, que l'eau potable était potable il y a 50 ans et qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Potable, il y a 50 ans, oui. Bon. Alors, Mme Désiel, vous voulez faire un petit rajout là-dessus? Oui. Je voulais seulement ajouter que même si on contourne une boucle, à ma connaissance, il y a une préfiltration qui se fait. Donc, une préfiltration qui se fait? Oui. Ça veut dire que les matières grossières sont quand même enlevées. Avec ça quoi? Ça ne va pas dans... Parce que le système ne fonctionne pas. On ne prend pas ce système-là, là. On en prend un autre. Alors, madame. Bon, là, madame, on... fournissent l'information, je suis disponible. Oui. Si vous voulez faire un show, bien, on je ne fais pas de show, madame, c'est parce que vous me dites que vous allez la filtrer. Moi, je n'ai jamais entendu dire qu'on la filtrait, fait que je me pose la question. Alors, madame... Et ça permet d'enlever les particules grossières et ensuite, c'est chloré. Donc, non, vous n'avez pas les particules dans votre tuyau. C'est ça que vous me dites, elle est filtrée. Il y a différents types de filtration dans une usine de filtration. Oui. Il y a une filtration grossière pour enlever les grosses particules. Ensuite, il y a des filtrations plus fines pour enlever des produits chimiques. Et la portion des produits chimiques ne fonctionne pas. Ça veut Alors, dire que l'usine de filtration, elle fonctionne à un certain pourcentage? Non, elle ne fonctionne pas, madame. Là, la filtrée? Premièrement, là... Ce que vous devez savoir, là, c'est qu'on a des gens ici, des experts, des gens qui surveillent ça, que l'eau que vous avez bu depuis les 87 dernières années, c'est la même eau, même traitée, de la même façon, au chlore, qu'elle l'était avant. Alors, que vous nous croyez ou pas, ça, c'est l'important, là, pour nous, moi, je me fie à des experts, nos ingénieurs, nos experts en environnement et autres, ce sont eux qui nous donnent l'ensemble des directives. Nous, on vous donne les directives qu'on nous donne aussi comme telles, qui sont validées par le ministère de l'Environnement. On ne fera rien que le ministère de l'Environnement ne veut pas qu'on fasse. Tout ça, ça a été validé. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. C'est la réponse que vous me donnez. Exactement. D'autres questions? Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Anger. Je m'appelle Vladimir Molina. Je viens ici en tant que citoyen et archéologue. Pour poser ma question, je voudrais la mettre dans un contexte pour qu'on puisse comprendre ma question dans son sens et dans sa pertinence. Depuis 2020, j'ai reçu trois appels des citoyens ici à Shawinigan me signalant des sites archéologiques. De ces trois appels-là, deux sites ont été très potentiels. Un, justement, de la période historique,
datant du début du 20e siècle et l'autre de la période préhistorique, de la période archaïque, donc datant de 6000 à 4000 ans. Et donc, juste pour vous dire que finalement, je pense que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des sites archéologiques ici à Shawinigan. Il y a de l'archéologie à faire, d'après moi. Et je pense que l'appel des citoyens me le confirme. Et juste attirer votre attention que la petite ville que nous sommes, en fin de compte, je pense qu'on est rendu peut-être au niveau du patrimoine à prendre un autre virage, et cette fois-ci, c'est celui de l'archéologie. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples de petites municipalités comme Magog, Sherbrooke, dans ces petites villes-là, puisque justement, le nombre de la population est à peu près comme la nôtre. Et ces villes-là se sont dotées justement d'un outil en prévention, justement, pour protéger leur patrimoine archéologique. Et suite à ça, juste pour vous dire que j'y vois, moi, déjà beaucoup de potentiel ici à Shawinigan, et en commençant par la Belgo, l'ancienne Alcan, et malheureusement l'ancienne Laurentide. Toutes des sites, en fin de compte, qui recelaient un potentiel archéologique, qui malheureusement, aujourd'hui, tout ça est perdu. Le seul espoir que j'ai, c'est toujours la Belgo. Peut-être qu'il pourrait rester quelque chose, mais ça serait à voir. Ma question est, pensez-vous qu'avec les données actuelles de ce qu'on a comme site archéologique, puis là, je pense au site du sentier Ricard Thibodeau, croyez-vous qu'éventuellement la ville pourrait doter Culture Shawinigan, justement, d'un mandat pour pouvoir se doter, en fin de compte, d'un outil de prévention en archéologie, justement, pour pouvoir justement protéger le patrimoine de la population de Shawinigan, et un patrimoine qui, en passant, est non visible, fragile, et qui, je pense bien, mérite d'être protégé, parce que, je pense, ce qui fait la caractéristique d'une ville, c'est vraiment son attrait spécial, unique. Et je vais prendre exemple, justement, de ce que M. Pellerin a fait avec, justement, avec Saint-Élie. En d'autres mots, cette région-là, cette municipalité, n'est pas tout simplement un simple village parmi tant d'autres. Elle s'identifie justement par quelque chose d'unique. Et je pense que Shawinigan peut offrir aussi quelque chose d'unique. Et si on se fie justement à ce qu'on s'est dit, que l'avenir de la ville passe par les services et le tourisme, je vois là une très belle opportunité justement pour qu'on puisse non seulement protéger le patrimoine de la ville de Shawinigan, mais aussi de pouvoir s'identifier d'une façon unique en mettant en valeur justement des sites qui ont un potentiel, qui peuvent justement mettre Shawinigan sur la map, et des projets en fin de compte qui vont avoir une envergure collective, et plutôt au lieu de miser sur des projets en fin de compte qui vont tout simplement bénéficier d'une certaine partie de la population, qui bien souvent malheureusement c'est une population qui est nantie. Donc, croyez-vous éventuellement que la ville serait rendue à mettre un plan d'intervention en archéologie pour protéger son patrimoine? Alors, bien, je sais que vous êtes un passionné de l'archéologie. On a eu la chance de se rencontrer, d'en parler aussi. Évidemment, je ne sais pas où on est rendu au niveau de cette vision archéologique, mais s'il y a un projet potentiel sur lequel vous pensez que la ville de Shawinigan pourrait se pencher à travers Culture Shawinigan ou autre, ben, il faudra probablement nous écrire, puis faire un peu un détail de tout ça, tenter une rencontre avec la direction là, de Culture Shawinigan, avec Mme la présidente également, puis de regarder quelles sont les opportunités. Parce que, bon, d'un côté, les fouilles archéologiques sont toujours intéressantes, la conservation du patrimoine archéologique l'est tout autant. Bon, on se retrouve dans des situations où il fallait faire une réhabilitation industrielle rapide du côté d'une partie de l'usine Grand-Mère, vrai pour Alcan, décontamination complète. C'est le ministère de l'Environnement qui va piloter les travaux au printemps prochain pour l'usine Belgo. Est-ce que le sentier dont vous parlez peut être une opportunité? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, je vous invite possiblement à discuter avec Madame Alarginiac, qui est la présidente de Culture Shawinigan, qui veut peut-être vous dire un petit mot. Je pourrais vous dire, M. le maire, aussi que M. Molina siège sur le comité du patrimoine avec nous. Puis c'est une discussion qu'on a déjà eue ensemble lors du comité du patrimoine.
Il va y avoir une prochaine entente aussi avec le ministère de la Culture, une nouvelle entente triennale. Donc, ça pourra peut-être, suite à une analyse, là, faire partie de cette nouvelle entente pour faire des recherches là, au niveau archéologique sur le sentier que vous parlez du Poteau Ricard. Oui, bien, en fin de compte, ça, c'est juste un exemple, mais je parle en fin de compte des sites. On pourrait en jaser, oui, oui. Puis, voir mais, si c'est pertinent. Mais en fin de compte, la raison, en fin de compte, qui m'a fait venir ici, c'est justement la dernière découverte d'un citoyen qui m'a appelé, faite sur un site, en fin de compte, qui n'est pas de façon protégée, de façon permanente. Et moi, ce que je crains, c'est qu'avec le développement qu'on a ici à la ville, malheureusement, beaucoup d'informations peuvent être perdues, beaucoup de sites peuvent être détruits. Et je pense que la responsabilité en matière de patrimoine archéologique, vous le savez bien, revient à la ville. Et chaque ville a la responsabilité d'émettre un plan d'intervention pour protéger son patrimoine. Donc, moi, je me dis qu'on est peut-être rendu là, en tant que ville, de pouvoir offrir autre chose comme les villes que je vous ai nommées, qui ont pris justement action et qui prennent justement cette opportunité pour non seulement relancer leur économie, mais amener quelque chose d'unique. Donc, sur leur territoire. Et je pense que Shawinigan pourrait aussi en bénéficier. Alors, vous avez vu la belle ouverture de la présidente de Culture Shawinigan. Alors, c'est toujours intéressant de vous écouter pour vos propos positifs. Alors, on va vous donner une suite très certainement, M. Molina. Merci. Merci. C'est Molina. D'autres questions? On est en train de vous ajuster. Voilà. Oui. Oui. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Et, approchez-vous, madame, c'est pas oui. Tout petit affaire. Bon, parce que j'ai comme peur de l'embrasser. Ah. On va le nettoyer par après, soyez pas inquiète. Mais je ne tiens pas à l'embrasser. Bon. Je tiens à ce qu'on m'en parle. Allez-y. Je reviens à la question de l'eau. Je suis loin du lac à la Tortue et je ne sais pas si les problèmes soulevés concernent directement le fait que je suis secteur Shawinigan même, et on a eu un avis d'ébullition préventif. Et est-ce que c'est encore en vigueur, ça? Est-ce que c'est relié à ce qui se passe au lac à la Tortue? Non, c'est pas avec ce qui se passe au lac à la Tortue, c'est plutôt avec ce qui se passe au lac à la Pêche, donc l'usine de traitement d'eau du lac à la Pêche qui est en arrêt présentement et qui est contournée pour qu'on revienne à ce que vous avez connu au cours des dernières années, c'est-à-dire la distribution de l'eau brute chlorée auprès de l'ensemble des citoyens. On parle d'un minimum de 14 jours d'avis d'ébullition aussi comme tel. Le 14 jours va arriver jeudi. Nos équipes ont pris des tests la semaine passée. On en prendre cette semaine, vont émettre leurs tests auprès du ministère des Affaires municipales et de la Santé publique, et ce sont eux qui éventuellement vont décider de la levée comme telle de cet avis d'ébullition. On vous a avisé par le SMAC, là, par téléphone, par la voix des journaux, les médias, tout ça, et on va aussi vous aviser aussitôt qu'on aura la permission de lever cet avis d'ébullition. On va le faire le plus rapidement possible, et on souhaite que ce soit justement le plus rapidement possible. Alors, vous dites jusqu'à jeudi prochain? Je ne vous dis pas que c'est jusqu'à jeudi. Je vous dis que le 14 jours va se terminer jeudi prochain. On parle d'un minimum de 14 jours pour que l'eau puisse s'installer partout dans les canalisations, les réservoirs. Par la suite, ce minimum de 14 jours-là est une obligation. Puis par la suite, on verra. Mais je ne vous donnerai pas de date ici ce soir, parce que ce n'est pas nous qui décidons de ça. Nous, on fait des tests, on fournit des tests au ministère de l'Environnement. Eux vont les transmettre au niveau de la santé publique et c'est eux qui vont lever l'avis d'ébullition quand tout va être conforme. D'accord. Ça vous va? Oui. Et j'ai une autre question. Puisqu'on parle de date, je reviens aux réunions de la RTCS. Est-ce que ces réunions ont déjà
Est-ce qu'on a déjà prévu des dates, c'est-à-dire pour ces rues? C'est vous autres encore, ça. Alors, il y a des dates qui s'en viennent, M. Tremblay? Exactement. Vendredi, cette semaine, la réunion de la RTCS pour le mois. Ça à 13h30. À 13h30. À 15h. 15h. Donc, 15h vendredi, madame, ça va être la rencontre que vous aimez beaucoup. Oui. Et peut-être que si les gens sont informés, il y en aurait d'autres qui l'aimeraient. Alors, on va tenter de vous. L'information est sur, sur le site de la ville? Oui. Alors, et sur le site de la ville. Et grâce à vous, les gens qui nous écoutent vont savoir qu'il va y avoir une rencontre vendredi à 15h prochain. Merci. Ça vous va? Merci. Parfait, merci. Si la dame n'a pas des moyens pour aller sur le site de la ville, elle peut téléphoner, les autres peuvent lui donner. Tout à fait. Si aussitôt qu'il y a quelque chose, vous téléphonez au service, à la clientèle, ici, service aux citoyens, 536-7200. C'est toujours le même. Nos agents sont excellents. Agents et agentes sont excellents. Ils vont vous donner l'ensemble des informations. Ça vous va? Monsieur Derrière. Bonjour à tous. Vous allez enlever votre masque, s'il vous plaît, pour que je vous comprenne bien. Allez-y. Vous m'entendez bien? Oui. Je suis nouveau résident de Shawinigan. Peut-être vous nommer, si vous êtes un nouveau. Dupuis-Pierre. Pierre Dupuis. Je demeure sur la 7e rue de la Pointe. On a eu la chance de se rencontrer sur la promenade, brièvement. Je tiens à vous féliciter, premièrement, pour votre ville, parce que je viens de banlieue ouest à Montréal, mais natif de Sainte-Tec, on fait ça vite, là. Puis, sur la 7e rue de la Pointe, il y avait une problématique, ça a été réglé. Merci beaucoup pour le bloc appartement qui a passé au feu. Mm-hmm. On n'a plus d'odeur, ça sent bon. La promenade est fantastique sur le bord de l'eau. Ma question est que je suis retraité, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. J'ai travaillé 40 ans Post-Canada comme facteur. Je m'aperçois que c'est le festival des masques. Dans la ville, on se promène, moi et mon épouse, retraitée, puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de masques qui traînent dans les rues, dans les ruelles. Puis je voulais savoir si j'ai offert de prendre une poubelle puis faire un petit travail, c'est assez simple, pour récupérer. Puis là, je me demandais, est-ce que les employés de la ville peuvent m'interpeller pour me dire que je ne suis pas syndiqué, que je ne suis pas un employé de la ville, parce que sur l'avenue du marché, où ce que les petits restos, les petits cafés, je rencontre beaucoup de personnes âgées qui sont très sympathiques, on parle à tout le monde. Est-ce que je peux me faire interpeller par les employés de la ville pour ne pas faire de clean-up? Bon, alors dans la vraie vie, M. Dupuis, c'est le travail bénévole est un... C'est une valeur importante dans notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui font du travail comme vous voulez ou souhaitez le faire. Travail bénévole, il n'y a pas personne qui va rien vous dire si vous commencez à ramasser des masques qui sont à terre. Bien au contraire, je pense que les gens vont vous donner la tape dans le dos puis vous féliciter pour votre action. C'est toujours dommage un peu que les gens se débarrassent des masques de cette façon-là. Il s'agit simplement, il y a des endroits pour les apporter. À la limite, il y a des poubelles. Alors non, soyez pas inquiets avec ça. Puis si jamais il y a des problèmes avec nos employés syndiqués qui vous interpellent parce que vous ramassez des masques par terre ou des papiers, vous viendrez nous voir, on va vous régler ça. Puis, en passant, un dernier commentaire. J'ai découvert votre centre Gervais. Vous avez un formidable stadium. Pas besoin d'être immense comme ce qu'ils veulent faire à Québec pour avoir du plaisir. J'ai assisté à trois parties de hockey. Les gens sont sympathiques. Il y a des bénévoles là-dedans qui t'accueillent à bras ouverts. Vous avez une ville fantastique, M. le maire. Partez pas tout de suite. Non, mais je vais quand même le dire. C'est vrai qu'on s'est rencontrés à quelques reprises sur le boulevard. Monsieur arrivait de Montréal, puis il nous disait, de l'ouest de Montréal, et vous nous avez dit combien on était chanceux de vivre dans une ville comme Shawinigan, sur la qualité de vie, le coût de la vie, etc., etc. On s'en est parlé à de nombreux... Vous étiez avec votre épouse à ce moment-là. On en a parlé. C'est toujours intéressant de voir les gens qui proviennent de l'extérieur puis qui constatent comment c'est beau chez nous. Vous secondez. Comment c'est beau chez nous, comment c'est intéressant. Puis que souvent, bien, quand on a le nez dedans, on ne le voit pas tout le temps. En passant, je ne veux pas faire de publicité, mais
En étant retraité, j'ai appliqué, je ne suis pas capable de rien faire. Là. Je travaille l'été au Club Mémorial à Shawinigan. Ouais. Avec super le club de golf. Les gens sont super fins. Puis c'est bon sens de vivre. Puis je pense qu'on va rester ici pour un bon bout de temps. Je vous réinvite à chacune de nos séances publiques, monsieur. Merci. On s'est parlé à quelques reprises, il est super fin, monsieur. Bonjour, monsieur Angé. Mon nom est Yvon Garceau de Shawinigan. Moi, c'est comme information. Est-ce qu'il vous manque des employés qui travaillent à l'extérieur, des employés là, à la base? Est-ce qu'il vous manque d'employés? Précisez votre question, M. Garceau. Comme des travaux publics, est-ce qu'il manque d'employés? On est continuellement en recrutement d'employés. On ne vous le cache pas dans à peu près tous les secteurs de la ville, que ce soit camions lourds, que ce soit dans les services professionnels, techniques ou autres. On est continuellement en embauche, continuellement, oui. Oui, parce que c'est une question qui me pose, là, je me dis, est-ce qu'il y a trop de monde dans les bureaux puis il y a moins de monde à l'extérieur pour faire des travaux? Parce que je vois que les travaux, là, de plus en plus, là, ça ralentit, puis ça prend plus de temps, puis ça avance pas. Je me demande, qu'est-ce qui se passe, là? Je veux dire, Alors, on peut difficilement demander aux gens de bureau qui ont un métier de sortir dehors pour faire une autre sorte de métier. C'est tous des métiers spécialisés. Mais, bon, effectivement, il y a des travaux qu'on a à faire. Il y a beaucoup de choses. La ville est grande, hein? Je vous donne en superficie, pour votre information, j'étais à l'Union des municipalités du Québec la semaine dernière, puis j'étais avec les gens de Terrebonne, où ils ont 3,5 fois notre budget, puis à peu près 300 quelques kilomètres de rue, alors qu'on a 1100 kilomètres de rue à entretenir. Puis je le disais aussi, à chaque fois qu'il tombe une tempête de neige, on part d'ici et on s'en va à Détroit. À chacune des fois qui tombe 3, 4, 5 cm, on part et on s'en va jusqu'à Détroit. C'est tout un labyrinthe. Trois-Rivières, à peu près 1000 km, nous, on a à peu près 1100 km. Alors, vous voyez que ça prend du monde, ça prend des gens, ça prend de l'équipement. Et quand on oublie de passer ou on passe un peu plus tard, il y a beaucoup d'appels qui se font un peu partout parce que les gens souhaitent que ce soit déneigé, déglacé, sablé, salé, tout ça. Alors, je pense que les gens font ce qu'ils peuvent à la lumière aussi des aléas de la température. Mais oui, il nous manque un peu de monde, mais on considère quand même qu'on réussit à faire les travaux qui sont planifiés. Puis, si les embauches fonctionnent bien, vont bien, bien éventuellement, on sera en mesure de pouvoir faire encore plus de travaux. Mais, bon, somme toute, aux travaux publics, je pense que les gens se débrouillent relativement bien. Merci beaucoup. Et puis, une autre petite information d'un secteur Shawinigan-Sud. Sur la 114e avenue, l'autobus de ville qui passe, le trajet, là, il y a trois wagons entre la 109e rue et la 117e rue. Il y a trois bons wagons. Oui, j'ai justement nommé ça. Ça fait longtemps. Élus, oui, ça fait longtemps. Effectivement. Puis il n'y a rien qui se fait, puis l'autobus de ville passe là. Là, passe plus. La prochaine fois, pour moi, ça va être l'autobus qui va. J'ai tout noté ça. C'est envoyé aux travaux publics. Mais c'est le dessous, là. Oui, parce que c'est trois, là, je veux dire, trois wagons. Ce qui arrive, M. Garceau, c'est que quand il y a des travaux importants à faire souterrains, ça coûte très, très, très cher. On s'entend là-dessus. Et souvent, on a des subventions potentielles pour être capable de le faire. Il y a la tech, il y a des programmes aussi qui nous permettent là, de payer, d'avoir une subvention de la moitié, des fois un peu plus. Ça peut aller jusqu'aux deux tiers à certains moments. Alors, on a beaucoup, beaucoup de travaux à faire en souterrain, raison pour laquelle il faut investir énormément d'argent parce que la ville, dans les trois pôles urbains qui étaient Shawinigan-Sud, Grand-Mère, il y a énormément de choses à faire. Puis s'il fallait qu'on fasse tout ce qu'on fait au moment où on se parle, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, on essaie d'y aller
au plus pressant, on fait du chemisage, donc on met des chemises à l'intérieur pour être capable de faire durer un peu plus longtemps. On tente de trouver toutes les subventions nécessaires pour diminuer l'impact auprès des citoyens du compte de taxes. Et on fait ce qu'on peut, je vais vous l'avouer bien honnêtement, et Josette nous en a parlé, puis je sais exactement de quoi vous nous parlez quand vous nous parlez de ça. Bon, alors on fait des demandes, on fait régulièrement des demandes au ministère des Affaires municipales pour avoir des subventions, puis aussitôt que c'est là, aussitôt qu'on l'a, on part, on le fait. Parce que c'est sûr que Chamonix, c'est vieillot aussi, vous direz. Depuis le temps que ça existe, là, c'est sûr que les travaux, ça vient avec. Faut, si on veut avancer, c'est sûr que ça prend le temps et ça prend toujours aussi l'argent. Là, en tout cas, je merci beaucoup pour les informations. Et puis, en tout cas, en espérons que ça va aboutir un moment donné. On va tenter, M. Garceau, d'en faire le plus possible parce que la philosophie du Conseil, c'est de s'assurer que pour les générations futures, qu'on soit capable de laisser une ville en état. Donc, avec des infrastructures. Vous savez, quand on dépense 1,5 million, 2 millions, puis qu'on refait des canalisations souterraines, ça paraît à peu près pas, là. Ouais. Bien, pour nous, c'est quand même important. Puis, il y en a des canalisations qui sont à changer partout, un peu partout. Donc, on essaie, avec le budget, de faire ce qu'on peut, de faire les investissements nécessaires, de ne pas dépasser dans 16 millions, de diminuer notre endettement. C'est tout un exercice que le conseil municipal fait à chacune des années pour le budget. Si vous saviez les discussions qu'on peut avoir autour d'un budget, vous allez en voir les conclusions la semaine prochaine. Mais c'est tout un exercice, puis on souhaiterait avoir le double du budget qu'on a présentement pour en faire deux fois plus. Malheureusement, ce n'est pas possible pour nous. D'année en année, ça va peut-être... D'année en année, on va faire notre petit bout de chemin. Merci beaucoup, M. Garceau. M. Garceau, juste faire du pouce un peu sur la pénurie des employés. J'en profite pour inviter tout le monde à aller voir sur le Facebook de la Ville. Il y a plusieurs emplois de disponibles. Donc, j'invite la population à consulter le Facebook. Parce que je trouve qu'on dirait que ça... On peut même prendre des retraités aussi. Hein? Oui, si vous voulez postuler, M. Garceau, vous pouvez postuler. Après, on s'apprend par le gouvernement. C'est vrai. C'est vrai. Parfait. C'est vrai. Merci, M. Garceau. D'autres questions? La période de questions est terminée, le premier 30 minutes. Oui, bien, s'il y a des gens encore qui veulent poser des questions, il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, complétez M. Garceau, puis après ça, je vais prendre M. derrière. Il y a une question, surtout encore à Chamonix-Sud, le secteur Chamonix-Sud. Le bar de Merlin, puis le restaurant Olympique. Il y a du stationnement qui se fait sur la 105e avenue, qui s'appelle la sœur, là, 105e. Il y a des stationnements en face du Berlin. Ça bloque beaucoup pour... ça bloque les voies de circulation. C'est-tu possible d'enlever les pancartes de stationnement? Parce que toujours là, c'est sûr, c'est des bars, bien... Vous savez, on est toujours pris sur une chose. Alors, quand on veut, justement, Shawinigan-Sud, on voudrait libérer les coins. Les commerçants souhaitent qu'on ne libère pas les coins. On a pris avec un commerçant qui veut avoir le plus de stationnement possible. D'autres disent, on voudrait avoir des dégagements, des angles de vue qui nous permettent de... Alors, toujours pris un petit peu avec ça. On en enlève un, on se le fait dire, il faut en remettre un. Alors, on est pris un petit peu avec ça. Mais vous n'avez pas tort, parce que dans le fond, on devrait avoir un angle de visibilité qui permet de pouvoir traverser les rues. Traverser la 105e rue quand on vient des rues transversales, il faut... C'est ça. Ah, je le sais. C'est un danger. Bon. Lors de justement la période électorale, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on a eu notre rencontre avec les commerçants, ça a été un peu discuté, là, cette problématique. Fait que lors des retours des comités... Est-ce que ça va juste au bord? Oui, on le sait. Pour les bars, mais la circulation des autos, là. Même les autobus de la ville aussi qui passent. Parfait, on va checker ça. Alors, je vais prendre monsieur derrière, puis après ça, on va compléter avec ça. Présent, Jean-François Bouffard. Je suis propriétaire de Serval. On a eu une question d'un citoyen tantôt, qui se trouve être mon voisin, je l'apprécie. Je me demandais, vu que j'ai déjà déclaré mon Serval, ça fait déjà depuis le mois de mai, que j'ai entamé toutes les procédures au niveau juridique, la police, la SPA, les pompiers, qu'on a trouvé des mesures pour adapter la situation qui est nouvelle depuis 2 ans.
Puis sachant aussi qu'on en a ici à Mont-Carmel déclaré que la Ville a trouvé un règlement dans d'un mois, sachant que ça fait déjà 6 mois que j'attends, quand pensez-vous me consulter en tant que spécialiste au niveau des cervales pour adopter un nouveau règlement? Parce que présentement, j'appelle à la Ville, puis ça fait 3 conseillers différents, là. Comment c'est long? Alors, évidemment, on a eu une petite pause de quelques semaines pendant la campagne électorale. Alors, il y a eu une pré-campagne électorale, il y a eu une campagne électorale, puis une post-campagne électorale où il faut ramasser tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire comme conseil municipal. Donc, je sais que vous avez été en lien avec Mme la greffière sur cette question. Alors, comment ça fonctionne, en règle générale, quand il y a des demandes spécifiques et particulières? Bon, la greffière nous en avise. On commence par avoir une première discussion sur cette question. On fait toujours des arrimages avec les lois provinciales et fédérales qui prédominent sur les lois municipales. Alors, la greffière et son équipe travaillent sur un projet éventuel et qu'on n'a pas le choix ou on a le choix d'adopter une règle en ce sens-là, on va regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, Mont-Carmel, vous nous dites qu'il y a ça. On verra aussi. On tentera autant que possible de régir les règles qui font en sorte qu'on ait du bon voisinage. Parce qu'on peut avoir le droit, mais en même temps, il faut avoir aussi du bon voisinage avec l'ensemble des règles qui font ça. Mm-hmm. Bon, il y a des gens qui sont inquiets, d'autres qui ne sont pas inquiets. Ça fait partie de la vie. Et je pense sincèrement que le dossier va cheminer. On s'était déjà parlé, on a déjà eu des discussions, mais ça, ça a été avant la période électorale. Là, la greffière s'est saisie de ça, nous a informé de la situation. Alors, il y a un processus qui va éventuellement s'enclencher. On va être en mesure de pouvoir vous répondre. Et évidemment, vous allez être consulté comme citoyen, puis comme spécialiste, mais en même temps aussi, il y a toutes sortes de règles on en voit aussi à Montréal dans les gratte-ciels, on en voit partout en zone urbaine. Les gens les promènent en l'Est. À Mont-Carmel, elle va à l'école de ses enfants avec. Il faut quand même prendre en compte que ça reste un petit félin. Oui, c'est différent d'un chat, parce que ce n'est pas un chat, mais quand même, il est là, il est présent. Puis maintenant, il faut essayer de trouver une solution pour que ça soit agréable pour tout le monde. Je peux vous assurer que vous allez avoir un suivi. Merveilleux, merci. Ça vous va? Bonsoir. Bien, merci à vous. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, bon retour à la maison et je vous souhaite de joyeuses fêtes au nom du conseil municipal, de joyeuses fêtes. Soyez prudents dans le temps des fêtes. Il semble que la pandémie n'est pas terminée encore et on aura l'occasion de se revoir en début janvier. Merci et bon retour. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.